Salut à tous les ploucs. Écoutez, poursuivons notre petite route du champion. On est aux portes à deux games normalement, du petit diamant 5. Donc on va tout donner aujourd'hui pour réussir notre objectif. Banou point officiel sur Instagram comme d'habitude. Ça sert à rien dans les commentaires YouTube les gars de dire ah je peux jouer avec toi. Non, c'est seulement par Instagram quand je poste mes petites stories. Et puis écoutez, on va procéder au petit générique. Et puis on est parti pour aller récupérer notre diamant 5. Pensez au gros like et c'est parti. Allez, première game de cette vidéo et on sera en défense les gars, c'est superbe. Ouais. Il reste plus qu'à espérer avoir une bonne carte et franchement, il n'y a que des bonnes cartes. Carrément, j'ai rien envie de bannir. Bon, les abonnés veulent enlever café. On va les écouter et j'espère qu'on va tomber sur Frontière pour niquer des mères. Et les mecs, c'est pas Frontière ça. Non, Canal encore. Pff. Dans le dernier épisode, on s'est tapé trois fois. Non, écoutez, c'est la quatrième fois, j'ai envie de 304. Merci. Je suis en compagnie de ma petite équipe de Plukinet. En face, ils ont des pseudos particuliers, les gars. Krout, Stanmoust, Krusik. Oh, les pseudos de merde. Ils sont ténébreux. Vous savez quoi? Je vais laisser une chance à l'agrandissement. Ah, avec ce viseur, l'agrandissement, c'est fait pour agrandir des trous de balles. Ah ouais, c'est ça. Allez, bonne chance à nous tous, les mecs. On est sur la route, pour l'instant, du diamant. On a des ratios. Ils sont incroyablement incroyables. Alors, il y a un mec l'autre fois sur TikTok. Je sais que les mecs de TikTok, faut pas prendre leur avis en compte. C'est réel. Mais j'ai reçu un message. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est la déchéance là-bas. Je suis pas du genre à juger l'orthographe ou juger les gens de manière générale. Mais les gars, comment on peut écrire comme ça? Nul à chier! J'ai juré sur TikTok. Il y a des gens. En fait, ces personnes, tu peux pas les croiser dans la vie réelle. Tu les croises que sur TikTok. Faut les appeler les TikTokiens. Il y a les Terriens, il y a les Martiens, il y a les TikTokiens. Ils sont atroces. Oh, je vous jure, les mecs, dans ma vie, j'en ai vu des choses, mais je pensais pas avoir vu ça. Faut vraiment arrêter avec ce recul. Si vous arrivez pas à gérer un recul sur R6, mais je peux rien pour vous. C'est pas bon. C'est super simple. Les gars, qu'est-ce que vous voulez voir de plus? Wesh. Y'a un mec rappel, c'est quoi? C'est un termite ou une osa, ça? Wow. Waouh, pourquoi j'ai plus de son là? J'ai plus de son! Oh, c'est une singerie, j'ai plus de. Bah, je meurs pas à cause du son, c'est vrai! J'avais plus de son! Je suis dans la merde! La tête de ma mère, j'avais plus de son, les gars! Oh, il m'a mis un de ces trucs, lui! Oh, c'est violent! Vas-y, ma petite clash, fais-toi plaisir! En vrai, les gars, il faut que je sorte le sein sèche-cheveux! J'ai froid aux mains, si vous saviez! En vrai, ça marche bien, hein! Ça marche très bien! Mon frère O'Neill, s'il est à 80. 92 PR, aïe, dommage. Faudrait pas qu'on se prenne une attaque directement. Mais le frérot, ouais, il lui manque 8 PR et il passe D3, c'est bien, c'est une bonne chose pour lui. Derrière toi, gros. Derrière toi, Clash, wesh. Ça va être compliqué. Les premières games, à chaque fois, les gars, que ce soit pour nous ou pour les abonnés, c'est toujours dur parce que t'es là, tu commences les ranquettes, t'as les mains, elles sont froides. Tu sais, t'as pas d'automatisme, encore ce qui est normal. T'as beau faire des parties rapides des MME, tant que t'as pas fait la première ranquette, c'est mort. Mais l'Uzi, ça casse les coucougnettes, l'agrandissement. Celui-là, en fait, le A, les gars, le problème, c'est qu'au milieu, le réticule, il est vraiment trop gros comparé au B et au C. Après, on peut le tester, hein. On est là pour ça, on va se mettre le cache-flamme. On va se contrôler les escaliers, c'est assez important. Hop, la rota ici. Là, pour contrôler le bac, pour avoir l'info qu'on sait bien, bah justement t'en mets un là et un autre à l'escalier. Et donc là vous avez un contrôle assez sympathique. Mais premier degré, si vous arrivez pas à avoir un recul comme ça, moi je peux rien pour vous les gars. C'est vous hein, qui tenez la manette ou le clavier dans les mains. En l'occurrence c'est la manette là. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'arrêtez à chaque fois de remettre en question et en doute la légitimité des gens. C'est chiant. Ok, il y a deux KB, il y a Demos. D'ailleurs je suis toujours mort 0 fois par Demos les gars. Il est pas à terre là? C'est quand même assez. Oh, jacal. Je vais me faire travers dans pas longtemps. Dokaebi. Putain, me fais chier, mais. Je sais pas c'est qui. Jacal et Dokaebi et Demos. Je fais quoi? Je fais quoi? Attance! Ah, c'est à vous de jouer, les abonnés, mais en face là! Wow. Voyons le bon côté des choses, on est toujours mort 0 fois par le bon vieux Demos. Nils, il va leur faire tellement mal dans le bac. Oh, on était 4v2 les mecs. Il est sur ta gauche mon frérot, exactement là. Ouais, bien joué, tu m'as vengé. En face, c'est vraiment les joueurs les plus toxiques là que j'ai vu depuis longtemps. Hein. L'outil drone, c'est Yana, elle est extérieure au T1. Bien ouais, je les mecs, super. Ah, au niveau des OP toxiques, ils ont sorti la Dokaebi, le Jackal, le Demos. Je sais pas ce qu'ils auraient pu prendre de plus. Grim, peut-être. Attends, il y a un frérot, il s'est dévoué, il a pris Thatcher, je vais prendre Ace. Ah, le pauvre Jack, c'est une corvée de prendre Thatcher. Si en plus personne lui prend d'opener, je sais pas si je mets la poignée horizontale ou la verticale. On va prendre la verticale, on va jouer un peu comme ça. J'ai vraiment du mal à saisir la diff entre l'horizontale et la verticale. In-game, en tout cas, j'arrive pas à ressentir de différence. Allez, notre mission, ouvrir le T1. Et aussi de leur ouvrir le cul, les gars. Ah, j'ai cru qu'on avait perdu Thatcher, j'ai eu peur. C'est quoi qui me bloque? Regarde, une pauvre marche qui te bloque.
Si on avait perdu Thatcher, j'aurais été dégoûté. Mais c'est vrai qu'en face, ils sont quand même relativement assez énervés. Ils ont envie de gagner. Ils te sortent les OP de merde. Tu sais, les OP qui cassent les couilles. C'est quoi ça? Ça a même pas mis de bandit ou de machin? C'est une singerie, gros. Je sais même pas comment on joue, moi, Ace, en vrai. Hein. Je vous jure, je le joue jamais facilement que je fais de la grosse merde. J'en ai pas l'impression. En tout cas, le T1 sera fait. Il y a un Doc Yogjo. Il y a un mec derrière la bombe. Allez, on se reprend notre premier drone qu'on a laissé dehors. Celui-là, il est super important. Bien joué, Nils. Au back. C'est Wamai, 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 Wamai. Yo, 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 yo. Je voulais garder mon drone là. Yo, yo, yo. Il me pique pas. Le truc, c'est que j'ai le diffuse, les gars. Il faut pas que je meure bêtement. Où est-il? Ah. Je sais pas, il est où le bâtard? Je savais pas. Bien joué, ils l'ont eu. En vrai, moi, les Hard Breacher. Je sais pas les jouer les gars. En fait j'ai vraiment beaucoup de mal parce que t'as trop de responsabilités, tu vois. C'est comme Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bah là le truc c'est ta responsabilité c'est Aqua Sapper Selma. Le nom de compétence il est horrible. Mais si tu meurs, c'est fini. Je pense qu'ils vont être en bas. Ouais, ils sont effectivement là. Tu vois, moi, votre drone, si je peux vous conseiller un truc, c'est gardez-le. Là tu vois, fuse, il est parti le perdre un peu bêtement. Là vous le laissez dehors tranquille les gars. Et durant la phase d'action, ça vous en donne deux. Et deux drones, c'est comme avoir deux testicules. C'est mieux qu'une. D'ailleurs, en vrai, il y a un truc qui me choque par rapport aux testicules. C'est qu'on dit un testicule et pas une. Tu sais, on dit une burne, une couille, une coucougnette, une boule. Mais on dit un testicule. C'est assez bizarre. Mon sledge, il est tout rose. Toujours cute, les gars. Kawaiiné. Mais elle est vraiment très dure, cette première game. Je sais pas, j'ai du mal, à titre perso. On va aller prendre le top, nous, en vrai. On va rentrer au niveau de l'ESCA. Il y a généralement personne là, et on va droner tranquillement. En fait, R6, les gars, faut le voir comme un puzzle. On dit comment? Un puzzle ou un pulse? Je sais pas trop comment on dit. Bonjour, Castle. Voilà, Castle, il est en moins, c'est cool. R6, c'est un échiquier ou un pulse géant, les gars. Ok, on est 3v3, doucement. Ah putain, ça se voit pas les gars, mais là j'ai vraiment les boules. Allez, c'est bien, le fus qui fait un peu tout péter, il nous reste un drone, celui qu'on a laissé en début de manche, c'est parfait, il y a un castle. Alors, on va y aller progressivement, 3v2, c'est super les mecs. Donc la trappe objo, elle est faite, est-ce que dans le petit coin il y a un gars? Non, par contre il y a du frost les gars, faut faire vraiment gaffe au frost. Vas-y, on y va au pire les gars, hein, là. À gauche. J'ai vraiment un shoot de merde. Je l'ai mis à terre. Super, bien joué, Fuse. Sur les premières games, c'est terriblement dur quand t'as les mains qui sont super froides. C'est un calvaire. S'il y avait un génie dans une lampe, si je pouvais frotter sa grosse lampe, là, d'avoir les mains chaudes tout le temps, ça serait incroyable. Parce que avoir les mains froides quand tu tiens ta manette dans les mains, gros, je peux te dire que c'est terrible. Atroce! Et pourtant, le pire, c'est que dans ma pièce, il fait pas froid, tu vois. Il doit faire 21, 22 degrés. C'est simplement suffisant. Et j'ai les mains glacées. C'est parce que j'ai une circulation, elle est pourrie. En fait, quand je serai vieux, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça, je vais avoir des putains de gros problèmes, moi, au niveau du cœur. Pour l'instant, ça va, entre guillemets, j'ai que 23 piges, mais quand vraiment je vais être un vieillard, je vais être dans la merde, les mecs. Dans la merde. Parce que ce qui est circulation du sang, ce qui est au niveau de mon cœur, c'est mauvais, j'ai pas des bons trucs. Mais bon, on fait avec. En vrai, dans la vie, ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois, faut prendre ce qui nous est donné et se dire qu'il y a pire que ce qu'on peut avoir. Ah, c'est vrai, premier degré. L'autre fois, je vous en ai déjà parlé de la petite association des animaux, là. Suzy Handicap, ça s'appelle. T'as des fois, je vois des animaux, des chiens, il leur manque des pattes. Ça fait trop de la peine. Et tu relativises, tu te dis, ouais, bon, ce que t'as froid aux mains, quoi, c'est pas grave. Bon, après, les problèmes de cœur, c'est un peu grave. C'est quand t'es vieux, quand t'as fait ta vie. Donc en vrai, on verra bien de quoi demain est fait. J'ai peur, en fait, de me ramasser un roamer, les gars. Parce qu'il y a bel et bien Melusi. Je savais qu'elle viendrait là, c'était obligé. Non, mais il y en a encore un en bas, là. On est 5v2, il y a un doc roaming en bas. Mais fallait se faire enculer. Putain de merde. Sans déconner, comment je peux prévoir ça? C'est pas normal, 5v2, il y a un mec en bas. Attends, on va peut-être se la prendre. On va peut-être se la prendre, les gars. Parce que c'est des putains de bots en face. Ils font des moves, c'est imprévisible. Dommage, mon gars, dommage. Ah, on s'est pris ça, on s'est pris un 5v2. C'est super gentil. 5v2, mais après, je peux même pas en vouloir aux abos. Moi aussi, je me suis fait baiser par un doc roaming. Moi, en fait, dans ma logique, là, peut-être que je suis con, j'en sais rien. Mais dans ma petite logique, dans mon petit cerveau, je me dis, t'es 5v2, tu peux avancer sereinement. T'auras un doc qui va être dans un contact, Valkyrie qui est avec le C4 par en dessous. Et jamais deux en dessous comme ça. On se fait baiser comme ça. C'est chiant. Ah, on va rester zen, les gars, tranquille, c'est le début de vidéo. Mais il est vrai que j'ai vraiment du mal à saisir comment les gens jouent. Tu peux pas prévoir ce qu'ils font. Ah, faut que ce petit Melusi, car celui-là, il fait généralement très mal, hein, les mecs. C'est mon préféré sur Canal au top. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui veut m'expliquer, là j'ai la poignée horizontale, que quelqu'un m'explique la différence entre la verticale et l'horizontale. Je suis prêt à le sucer. Non, pas ça, pardon. Non, sans déconner, je comprends pas. Je ressens pas de diff. Cette game, les gars, il faut qu'on la gagne. C'est les joueurs les plus toxiques que j'ai vus en face. J'ai encore en travers de la gorge leur Dokkaebi et leur Jackal de merde. Ils sont en train de taper un poche ténébreux, non? Oh, ils ont infesté le site. Putain. Oh. Putain, j'ai envie d'insulter quelque chose.
Oh, sa mère. Ah, il est parti loin. Ça y est, c'est en train de me saouler, les gars. Ça me saoule, les ranked. C'est pas la défaite qui m'énerve. C'est les gens, comment ils jouent. C'est chiant. Je vais perdre quoi, 10 points. Ouais, ça va, mais c'est... Ça va être dur, maintenant, les classés. Ça va être que des mecs qui font des strats bizarres. Augmenter la puissance de feu. Oh, c'est pas grave, les gars. De toute façon, va falloir affronter tous les puants du jeu, hein, si on veut être champion. Mais ils ont terriblement une façon de jouer. Je trouve que c'est imprévisible. J'espère que c'est pas des secpa en face qu'ils ont pas enlevé consulat, s'il vous plaît. C'est quoi? Oh, non, c'est... Oh, littoral, ça va. Ça me fait bander. J'ai même pas vu, du coup, qu'est-ce qui avait été banni. Je crois qu'on a enlevé parc, nous. En face, j'ai pas vu. La route du champion, elle est bel et bien lancée. Je peux vous le dire. Tiens, en vrai, je trouve, nous, notre façon de jouer à nous, moi, c'est la simplicité, les gars. Je vous jure, on joue simple. En face, ils te font des trucs, c'est... Oh. Mais tu sais qu'en vrai, je vous parle sérieux, là, c'est un truc complètement différent. Je crois que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas plus simple que moi. Peut-être même que c'est ennuyant aux yeux des gens. Moi, je te parle sérieux. Tu me mets, entre guillemets, dans une ferme, mais je suis le plus heureux, les gars, du monde. Je vais vous mettre des petites vidéos, attendez. Ça, là, tu vois, moi, je te promets, je suis... comme un cochon dans la merde. Les gars, y'a rien de mieux que la simplicité. Tu sais, les gens qui vont en boîte de nuit, claquer de la thune... Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Y'a pas de souci. Mais la simplicité, je trouve, y'a rien de mieux que ça. Même pour vous dire, attention, mes vêtements, j'ai un truc. Attends, il est là. Regardez, les gars. Ouais, des shorts Primark, les mecs. 5 euros, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Y'a rien de mieux que la simplicité, c'est réel. L'être humain, il est trop complexe, il se prend trop la tête pour un oui ou pour un non. Et en vrai, c'est dommage. C'est dommage, je trouve. Y'a un glace sur les ruines, regardez où il est. Regardez le cochon, là-bas. Par contre, c'est une singerie de pas avoir fait de rotation, les mecs. Hein. Je veux bien qu'on ait un peu de mal. Mais la rotation, comment dire, un Gilbert Montagnier peut la faire. Je crois qu'il y a un mec Sunrise, hein. Je suis pas sûr. Ah, il est juste là. Voilà, let's go. Mozy, c'est le GOAT, les gars. Même s'il a plus d'1.5, ça reste un GOAT. Et là, moi, je reste là avec celui-ci. Comme ça, je pourrais empêcher une plante tranquillement. Non, mais premier degré, moi, vous me mettez avec une connexion quand même Internet. Je veux pas non plus être un troubadour. Mais et tu me mets dans une ferme, je suis le plus heureux du monde. Mais je pense qu'à terme, moi, c'est ce que je ferais, les gars. Quand YouTube, tout ça sera fini, etc. Y'a un mec là, contact. Vas-y, vas-y, nique lui sa mère. Non, les gars, vous avez les infos. Comment vous mourrez? Là, il vous pique dans le couloir. Il vous pique le couloir, les gars. Ah ouais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il vient me piquer là, lui? C'est la première fois que ça m'arrive. Bien joué, les mecs, pourquoi il vient me piquer là? Y'a pas de drone, y'a rien, pourquoi il vient là? Surtout avec un glace. Pourquoi il vient avec un glace? C'est ce que je vous dis, ils font des moves imprévisibles, tu peux pas prévoir ce qu'ils font. Oui, je reprends mon histoire à terme YouTube quand ça sera fini, les mecs, parce qu'il y a bien un jour où ça sera fini. Oh, vous me mettez dans une ferme, en espèce de retraite, je vous jure, je kiffe. C'est ce qui fait bander ma grosse bite. Bah, je prends Frost, comme ça les rotas. Elles sont faites. Les gars, les rotas, c'est les bases élémentaires, wesh. Ça m'énerve. Mais je pense qu'ils vont aller jouer le fuse au top, du coup, bah on va y aller nous aussi. Comme ça, on place nos deux frosts là, ils sont importants ceux-là. Et des fois, celui-là, il fait assez mal. Ah, sauf que je l'ai mal mis, mais c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Mais il fait assez mal quand tu fais pas attention à celui-ci. Ok, on a perdu. Fenrir, la trappe. Il a sauté? Non. Je sais pas s'il a sauté, j'entends pas, les gars. J'ai pas de son aujourd'hui. C'est moi qui te tue! Ciao, ciao! Chibrax humain, va! On va commencer à revenir site parce qu'il y a que Thorn, les gars. Ils sont même pas venus jouer le plancher. En fait, je sais même pas ce qu'ils jouent au final. Je comprends pas comment ils jouent. Je pense que très sincèrement, ils sont trop forts pour nous. Tu peux enlever ton cul? Tu me montres son cul! Mais je m'en bats les couilles, moi! Ok, ouais, elle est bien là encore, hein. Saloperie, va. Il va la baiser, Wamai. Vas-y, vas-y, va, va, gros. Va chercher bonheur. Et moi, je prends une balle, c'est un truc de ouf! Ne pas rager, ne pas tilter. Il laisse des drones au bac, les fumiers, bah oui. Il nous faut une chier. Elle est plus la rame. Cette session est très 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 dure aujourd'hui, je vous le dis. Il reste 26 secondes normalement. Là, elle va peut-être passer là. Là, le turn a été activé. Ça a pris un frost. C'est le calque. C'est celui de cuisine. Mais regarde ce qu'il fait. Il reste 3 secondes. Pourquoi est-ce qu'il vient me piquer? Pourquoi il vient me piquer au top, les gars? Je comprends pas. C'est soit ils sont trop forts, soit ils sont trop nuls. C'est un des deux. Je sais pas. Là ici, faites des rotas à défaut de barricader. Généralement, on renforce là, mais faites-vous toujours une petite rota, c'est super intéressant, je trouve. Là, les gars, oh, 2 minutes 20, je viens de finir de poser mon stuff. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Tu peux rentrer là-dedans, s'il te plaît? Allez, grosse vache! Il a fallu tout ce temps pour que je pose du simple stuff. Singerie. Des fois, c'est pour ça que j'aime bien prendre des opérateurs comme Pulse, tu vois, t'as juste un capteur. T'as rien d'autre à faire, c'est tout. Attends, le poteau, il est mort guitare? Ça a pushé la guitare, là, sérieux, déjà? Bah ouais, ils sont même rentrés dans le VIP, frère. Ah, ça a pushé SK. Il m'a mis un ping, le frérot. Ok. Ah, il y en a un qui est rentré chambre.
Putain, la trappe. Mais qui fait la trappe? Pourquoi la trappe elle est pétée? Putain, qui a pété cette trappe de merde? Je me tendais pas. Oh, le frère Opulse, il est en train de faire le bac. H, elle pense que t'es allé scamain. Elle est toujours là, gros. Elle a pas pété la cam défaut. C'est des bots. Là, elle t'a entendu, gros. Malheureusement. Dommage. Genre, tu vois, un perso comme IQ, je vais vous montrer une manche parce que je la joue jamais. Mais un perso comme IQ, t'as rien à faire, limite. Tu prends ton capteur. Tu pètes 2-3 petits pièges par le sol. C'est un perso, tu te prends pas la tête à faire 36 000 rotas, poser un stuff, machin, nanana. Non, oh, non, c'est chiant. Oh, moi, je suis pas dans une optique non plus de pas vraiment me laver. Tu vois, en vrai, ça va. Ça sent moyennement bon. On va dire que ça pue bon. Ça pue, mais ça pue bon. Est-ce que les bots spawn kill? Non, ils sont bien castle. Super, en vrai. Regarde là, qu'est-ce que c'est, tous ces trucs. On va aller par en dessous, les gars. On a laissé un petit drone. Comme ça, on peut voir si justement on peut s'y insérer. Ça m'a l'air d'être safe. C'est quoi, c'est Flores? Bien joué, ça, gros. C'est vrai que Flores, c'est un bon opérateur. Hein. Je le joue jamais. Ah, tu ne joues pas parce qu'il est homosexuel? Non, c'est parce que je sais pas le jouer, tout simplement. Voilà, ça c'est quoi? Un répulseur détruit, nickel. C'est super gros, tu peux planter? Vas-y, vas-y gros, j'ai ta cover. Par contre, mon sang, j'ai pas la rota. Ouf, à ta gauche, j'ai pas du tout la rotation. Attention que ça vienne pas me piquer en bas là. Normalement, il y a un drone pour l'abonné qui est mort. Triple kill! Vous avez vu les persos de merde? Triple, quadruple kill! Je suis meilleur! Les persos de merde où t'as pas de trucs à poser, c'est super agréable, les gars! Let's go! Jouer les persos nos... Wesh, il a tué sans viseur. What the fuck? Jouer les persos sans responsabilité. On est un Spider-Man de Wish, les gars. On n'aime pas les responsabilités ici. Mais derrière, je fais de moins 4. C'est quand même pas mal, les mecs. Non, franchement, IQ, pas mal, les gars. On va peut-être cependant enlever le canon allongé, passer sur un petit cache-flamme. Et on va les baiser! Cette fois, ils ont pris la cuisine. Oh, il y a du mozzy. Barrons-nous vite! Donc, c'est super. Nous, on va aller au top avec Fuse. On va casser par, par le dessous. Par le dessus, pardon, plutôt. Vous avez vu? La simplicité. Quand tu joues simple R6, c'est comme ça où t'es le plus performant. En tout cas, c'est ma façon de jouer à moi depuis le début du jeu. Putain, ils ont carrément renforcé le VIP, les gars. Ils veulent vraiment le tenir. Ça va être un peu plus compliqué de le prendre pour le coup. Compliqué, mais pas impossible. La simplicité, c'est la clé. Premier degré. R6, les gars, depuis sa sortie, depuis le début, depuis 2015. J'ai toujours une façon de jouer en fait à la cool. Vous me verrez jamais tryhard ou je sais pas quoi. Et je trouve c'est ce qui fait notre force et notre style de jeu. Il y a un mec dans la douche à gauche, gros, à gauche, voilà dedans. Je pense qu'il s'est barré. Ouais, il est juste au niveau du contact, faut aller le bousiller. Je vais lui bousiller le crâne. Oh, il y en a encore un. Attends, gros, il y en a deux du coup. Oh, ils ont mis un bloqueur de drone. Parce que t'as le bandit qui a... Non, il a pas bougé, toujours là, mon drone. La 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 la. Mais ouais, c'est celui-là qui va nous embêter le plus parce que le brouilleur de drone est casse-couille. Il a pas la vue sur nous. Anticipation, on casse ça. Fuse, prends ma cover sur le bandit, s'il te plaît, frérot. Je te fais entièrement confiance, ma couille des îles. Non, il a bougé. C'est assez troublant, c'est vrai. Ah, c'est ma faute. Dommage, je suis désolé, gros. Je pensais pas qu'il m'aurait piqué comme ça. Dommage, mon gars, c'est pas de ta faute, Fuse. C'est ma faute, j'aurais dû gagner mon duel sur Jaeger, mais je pensais pas qu'il m'aurait piqué, en fait. En fait, moi, je me mets beaucoup dans la POV des défenseurs. Si jamais j'étais à la place du Jaeger, je l'aurais pas piqué. Mais lui le fait. Donc est-ce qu'il a raison de le faire? Oui, parce qu'il m'a tué. Mais est-ce que c'est le move à faire pour la populace? C'est ça que je sais pas en fait. Moi, tu vois, j'aurais gardé la ligne sur lui. Mais il a eu raison de me piquer. J'aurais peut-être dû l'anticiper. T'es une merde! Là, cette fois, ils ont pris le pan en tout. Il y a une Kali. Je te laisserai casser le castle. Ça sera beaucoup plus rapide que moi. Ah, j'avais cru entendre quelqu'un, je suis complètement zinzin, moi, gros. Et Littoral, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la carte. En vrai, je peux tout à fait vous comprendre, les gars. Je pense que vous l'aimez pas parce qu'en fait, c'est toujours redondant un peu les choses dessus. Et honnêtement, je pense qu'elle mériterait d'avoir un petit rework, hein, Littoral. Il y a des cartes qui ont eu un rework pour moins que ça. Vraiment. J'ai une revanche à prendre sur Jaeger. On va lui baiser sa petite maman. Il est juste dans le contact. J'espère qu'il y a personne d'autre, j'ai pas de drone ailleurs. Comment je l'ai pas, là? Comment je peux ne pas l'avoir, sans déconner? Regarde, il était juste ici, frère. C'est pas normal. Oh, par contre, j'ai tellement pas de recul, c'est tellement plaisant. C'est extraordinaire. L'arme d'IQ, c'est... Pff, c'est une divinité. Regarde, Théma. Bah, faut le contrôler, par contre, hein, c'est dur. Mais ça se tente. J'ai repris un petit drone. Ils ont fait un trou bizarre, hein. Ça va être chaud de le déloger, lui. Encore des balles, hein. Je comprends pas qu'il meurt pas, le type. Ah, mais vous avez toujours pas cassé cette fenêtre objo, les gars? Vous étiez 15 depuis tout à l'heure, ici. C'est... Oh. Ça va péter. Ah ouais, les mecs, il y avait juste à mettre un coup de Kali. Non, on joue tellement mal. Wow. Bon, vous savez quoi, je vais reprendre H. Au moins, je pourrais péter ce putain de castle de merde. Oh, les frérots, il y avait juste à mettre un coup de Kali. Juste un seul. Parce qu'en face, je vous parle sérieux. En toute honnêteté, ils sont nuls à chier. Ils font des défenses de bots. Mais comme le stuff et tout, on le casse pas, les gars, bah... C'est pour ça que je viens de prendre H. Hein. Là, on a perdu RAM direct. En plus, c'est vraiment dommage. On perd les persos en début de manche les plus importants, les plus utiles. Il y a toujours le castle ici. On se fait trop open kill. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu mets pas un H là-dedans? Parce qu'en vrai, les gars, il va falloir que j'en garde au moins un pour surprendre après l'adversaire. Donc là, ok, il va être bon pour surprendre lui, là.
le petit vermisseau. Faut vraiment que seul j'arrive à l'avoir. Hein. Si j'arrive pas à l'avoir, c'est vraiment frilouze. Mais le truc, c'est qu'il a la vue en fait sur moi. Le problème, il est déjà viseur fixe. Je pourrais pas l'avoir. Impossible. Il va falloir que je l'agresse, le frérot. J'avais pas le choix, les gars. Obligé. Masterclass ta plante. Super, gros. Super, les mecs. Allez. Dans mon bac à moi. Oh, je vais peut-être mourir. Pas le choix. Ok, j'ai l'info dans le bac de Nox. Mais il y a un mec à ma droite aussi. Putain. Là, on s'allonge, les gars, et on l'attend. Masterclass, la plante. Celui qui a planté, t'as fait gagner la game. Même si on fait la moins 4, vous allez vous dire, c'est toi qui fais gagner. Non, c'est pas moi, les gars. Premier degré, c'est grâce à la plante. S'il n'y a pas la plante, je fais jamais de moins 4. Tu vois, faut rendre à César ce qui est à César. C'est la plante qui a été le plus important. C'est pas les kills, là. C'est la manche D. En plus, les gars, on fait que des 4-4. En ce moment, j'ai l'impression, faut que je reprenne H. C'est la reine. Elle nous a fait gagner, en vrai. Enfin, elle nous a permis de faire la moins 4. Et on a gagné grâce à la plante. Vous avez capté. C'est ce que je vous ai dit, les gars. Au début, la route du champion, tout semble simple, etc. Mais il suffit que tu sois dans un mauvais engrenage. Et malheureusement, que ça devienne vraiment compliqué. Mais je crois qu'on est en train de faire une game de fou, hein. On doit pas être loin des 20 kills, les mecs. On regardera à la fin, histoire de se garder la surprise, mais je sais pas où ils sont. Il y a un ping jaune, ils doivent être au top. Donc on va se laisser un petit drone et puis on va espérer que ça passe, hein. Ça passe ou ça casse, c'est 4-4. C'est la manche D, c'est la dernière. C'est le castle qui nous casse un peu les couilles, en vrai. C'est vraiment lui, avec le vigile qui est parti. On l'a vu dans le VIP. Là, il faut que Kali, elle aille direct avec le ace. Perds pas de temps, Kali, t'as le diffuse. Kali, là, tu vois, les gars, jamais, ne jamais faire ce que Kali fait. Jamais. Je vais essayer de lui faire comprendre. Kali. Non, elle comprend pas Kali. Malheureusement. On est là comme des cons. C'est super en plus le move de prendre Kali. C'est génial, mais si derrière tu prends Kali pour ne pas aller casser les bandits, ça va être très très dur. Le move ne sert à rien, malheureusement. Il y a un mec allongé, faut que je le baise. Il y en a encore un. Putain, je l'ai pas eu. Ah, Kali, c'est vraiment. C'est dommage de pas être venu. En tout cas, maintenant, Ace, tu peux Ace si t'as envie, vas-y, faut que tu viennes Ace. On se met des balles dans le pied tout seul, les gars, à pas ouvrir ces putains de murs, hein. En plus, on prend les agents pour. Y'a un frérot allongé, putain, ce qu'il fait, gros. Putain! Bien joué, Kali, elle m'a vengé. Ça, c'est une super revenge. Elle est incroyable, ta revenge. Magnifique. Mais il aurait vraiment fallu open ce putain de mur. On aurait été tellement safe, tellement serein. Les deux. Et un qui est à terre, un qui se réanime. Allez, les gars, la grenade, jette dans le tas. Sur lui, gros. Voilà, super, bien joué, les gars. Ouh. Cette game, elle a été laborieuse, hein. C'est un miracle de la gagner. Je suis même pas premier, les gars! Hein, what the fuck? Mais pourquoi c'est lui qui a l'animation? Regarde, c'est moi qui est premier. What the fuck, c'est quoi ce bug de fou? Regarde, pourquoi c'est Nils, il est troisième. Et moi, c'est écrit que là-haut, regarde, attends. C'est écrit que je suis premier en 16 kills, c'est pas moi qui ai l'animation. C'est quoi cette douille? Je me suis fait baiser. Bon bref, on s'en fout, tant qu'on prend nos points, c'est le plus important. On a fait du 16 kills, du coup les mecs, c'est quand même pas mal. Mais c'est un miracle de la vie d'avoir gagné 34 points, putain, c'est la déchéance. Si t'aimes l'écran, bluffé, un petit dab. Mais j'ai honte de ce que je viens de faire. Non, c'est quoi ce vieux dab? J'ai même pas fait un dab, les gars. Il est où le problème? Oh putain, les cartes font peur, les gars. Qu'est-ce qu'on s'enlève? Woodback, en vrai, non? Ouais, on va s'enlever Woodback, je crois, en espérant jouer pleine d'émeraudes. Moi, j'aime bien pleine d'émeraudes, les mecs. Elle me fait beaucoup penser à Université Bartlett, pour les anciens qui se rappellent d'elle. Et c'est littoral, encore. Wesh. On a gagné dessus, mais sur un poil de cul. En fait, dites-vous un truc, c'est que ce genre de victoire, on pourra jamais les faire à chaque fois. On vient de faire 2-4-4 d'affilée. Vous vous rendez compte, les mecs? À quel point c'est dur. Et on est seulement émeraude 1. Et on gagne du 30 points et on en perd du 10. Imaginez quand on va perdre 30 points. Ah, mais ça change tout! Ça va commencer à faire mal les fesses. Bobo les fesses. Du coup, si on gagne celle-là, les gars, est-ce qu'on est D1? D5, pardon. Malheureusement, les mecs, on n'aura pas assez de points aussi. Un gars, peut-être rappel, je crois. Fulse a été pris pour cible par Deimos. Bon courage à toi, mon petit chauve. Oh, putain. Elle est au fond, je sais pas si vous l'avez vu. Le fumier. Et il y en a un aussi sur le contact à gauche. C'est Noza qui vient de placer son shield. Là, vous le voyez, il est juste là, son shield. Si elle met son crâne, c'est one tap. Oula. Doucement. Elle est passée. Non, pourquoi je me suis allongé? J'ai mis un coup sur ma palette de merde, là. Ok, le 2v3 fait mal. Le one tap fait mal aussi. Du balai. Allez, tenez bon les mecs. Tenez bon. Enfin, les plus de deux gros. Hein. Il y en a un au bac, juste au niveau de l'escamène, mon frère. En fait, là, j'essaie de jouer au son. Donc, essaie de pas trop bouger, mon gars. C'est quoi là? C'est le poteau qui a tiré? Wesh, il est où? J'ai pas les infos là, je sais pas d'où ça tire, je comprends rien. Non. Ah non, elle était pas du tout escamène. Tachanka, c'est un prince, les gars, hein, je vous jure. Et je vous troll pas. Même carrément, je pense qu'on va le jouer silencieux, ça peut être sympa. On teste. On est comme ça ici. Là, Lésion, vas-y, Lésion, fais la rota, gros, tu spawn, rota, boum. Je sais pas où les mettre, mes alarmes.
ici là. Putain, fais chier. Là pour avoir une info si ça passe au niveau du couloir. Pourquoi pas, ouais. On va s'en mettre une là-dedans. Oh, elle est incroyable ici, gros. C'est une fierté. Non, Lésion, t'abuses, gros. Là, fais-moi, c'est trop tard, frérot. Là, mets une boulette. Oula, Demos. J'ai failli mourir. Il est au top. Fumier, bah. C'est moi qui le pique, gros. C'est quoi ça? Lion Demos. Putain, il manquerait plus que Doka là. Oh putain, le lion de merde au pire des moments, les mecs. Oh, ah là, il a fait la rota. Putain, j'ai envie de célébrer la Ligue des Champions, mon frérot. Premier degré. Oh, il a plus de lion. Du coup, ça, c'est superbement superbe. Escamène, 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 effectivement. Attention, les mecs. Là, putain, les lions, sort. Les lions. Arrête de me faire chier. Là, c'est pareil, ce mur, les gars, faut le renfort. Putain, oh. Vous faites quoi en phase de préparation, les frères? Vous vous grattez les pieds ou. Merde, ça se passe comment? Putain, je me suis enflammé. Au bac, au bac, au bac. Devant toi, Rouli! Mais c'était juste devant toi! Oh, les games, elles sont bizarres là aujourd'hui, les gars, non? Je sais pas. Bien joué, il te pique! Non! Oh, c'est pas grave, mais en vrai, là, les rotas qui sont pas faites, les murs qui sont pas posés, franchement, c'est vraiment de la merde là ce qu'on fait. Hein. Enfin, je dis on. Je vais reprendre Frost, au moins, tu vois, je pourrais faire les rotas. Là, y a les yeux et tout. Là, vas-y, vas-y, mon gars. Non, tu veux toujours pas, bah, la paix pas. C'est la base, hein, les gars, la rota. C'est la base pour naviguer. Entre la bombe A et la bombe B. Là, je peux pas poser mon double frost. Si, regarde, y a double frost et l'incrusteur. Là, ça se passe moins bien que d'habitude, les mecs. Dans les dernières sessions, il y avait vraiment rien à vous reprocher. Mais alors là, ouf. Après, c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme non plus. Vous avez capté? Est-ce que vous avez les crampés? Oui. Ils vont forcément aller jouer le plancher, à mon humble avis. Donc, restons à proxy. Oula, oui, y a Ram, là. Enfin, y avait, parce que visiblement, elle a l'air d'être. Elle est morte. Ah ouais, elle est juste morte dehors. Ok. Là, vous avez une bonne vue hein, sur l'objet. C'est Rainbow Trou Siège. Ok, ça push salle de bain. Enfin, toilette. Ça push bien comme il faut. Je comprends pas ce qu'ils font comme attaque. C'est assez particulier. Le diffuse, il est couloir de la avec la Valkyrie. Parfait. Allez, main. Let's go, j'ai eu le kill. Bon, super, deux défenses. Ça aurait été bien d'en mettre trois, histoire d'être un petit peu plus serein. On va reprendre la reine H. On a fait du sexe tout à l'heure sur cette carte, mais on a fait aussi du sexe avec IQ. On va reprendre l'IQ. Et on va surtout passer avec une poignée verticale pour avoir vraiment le moindre recul possible. Mais vous avez envie d'avoir une stat aussi un peu effrayante et premier degré que c'est vrai. Durant cette saison, en route du champion, bien sûr, je suis tombé zéro fois sur repère. En soi, ça me dérange pas, mais je suis tombé zéro fois sur consulat. Ouais, c'est quoi ce truc de ouf? C'est assez incroyable. Je comprends pas les gens. Qui n'aiment pas consulat. Et qu'à titre de comparaison, certaines personnes aiment Clubhouse ou alors banque. Alors que consulat, vraiment, les tabasse en tout point. C'est vraiment un truc que je comprends pas. Et c'est là où tu te rends compte que les avis de chacun, ça diverge en fait. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont des avis de merde. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ça va, je déconne. Vous avez le droit d'aimer Clubhouse, les gars. Vous avez le droit d'aimer la merde. Hein. Être scatophile, ça n'a jamais tué personne. Vous avez le droit. C'est le karma qui m'a puni, ça. Putain. Tu vois, il tire au pif! Je te jure, il est comme ça, il fait. Et tout ça passe! Il a de la chance, ça passe! Ah, je me suis fait karmater, les gars. Putain, j'ai parlé de Clubhouse, elle vient de me hanter cette map de merde. Salope! Est-ce qu'on irait pas jouer Deimos? En vrai, de vrai, les gars. Est-ce qu'on se ferait pas un peu de mal? Pour moi, c'est l'un des agents que je sais le moins jouer de Versys. Paradoxalement, les gens l'adorent. Je dois vraiment être bizarre. Non, mais c'est un paradoxe. Tout le monde aime Demos. Oh, il est trop cheaté. Ouais, si, ouais, ça. Je sais pas, moi, c'est l'un des persos où j'ai le moins de bon feeling avec lui. Alors, il reste bon, hein. Comme Jean, les gars, comme le jambon. Mais pour moi, c'est vrai que c'est pas l'OP du siècle, quoi. Jackal, à titre de comparaison, il le tabasse. Tu mets Jackal et Demos dans un ring. Jackal, il sort sa bite et il encule Demos. J'adore rire. Il y a Tonton Bandit. Est-ce que Tonton Bandit voit mon. Non, j'ai cru qu'il le voyait, mais pas du tout. Putain, y a un Thorn. Chier. Sinon, je serais rentré, je l'aurais déjà bousillé, lui, hein. Avec son copain, là, ils sont deux, j'aurais fait moins deux, les gars. D'office. Mais comme il y a un barbelé et un Thorn, je peux pas. Mais voyons. Donc, l'astuce que je vais vous montrer, elle va être relativement simple. On va passer Sunrise, on va baiser le Doc. Voilà, c'était une astuce assez simple, les gars. Là, on est 4v3, c'est superbement superbe. Vous ferez gaffe, il y a un tonton, enfin, Tati Thorn, surtout, c'est quoi ces trous de bottes, là? Ils ont cru que c'était un gruyère, un fromage. Ah, le diffuse, les gars. Bon, ils sont pas si. Vas-y, ramasse le diffuse, H. Super, ma H. Vas-y. Allez, casse-toi le temps. Là, faut que tu viennes planter, Tati. Vas-y. Vas-y. Là, normalement, la plante, elle est faite. Ah, j'ai plus de drone, par contre, malheureusement. C'est franchement génial. Je me suis servi de la compétence de démo zéro fois, les gars. Tiens, bon, H. Là, maintenant, je peux le mettre. Oh, dommage, je me serais bien servi de la compétence de Demos. Mais ta petite clé mort, elle a carry, mon frère. Oh, superbe la plante. T'as géré. Là, tu vois, en mettant la compétence, j'aurais eu l'info sur la Thorn. On aurait été tous les deux bah, en 1v1. Et en gros, bah ça aurait été un petit jeu du chat de la souris. Et ça lui aurait fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est vrai que, ouais, bon, on peut retenter. Hein. Mais Demos,
J'accroche pas les gars. En plus le petit gun, je sais pas, moi j'ai pas un super feeling avec celui-là. J'ai pas eu le temps de l'expérimenter. Mais l'arme principale, ça va, c'est celle de Nomad. Wesh, les gars, what the fuck, pourquoi j'ai plus de viseur sur mon arme? Ça me choque. Mais je vais péter un câble. Les gars, pour C4, Mauser, mais putain, pourquoi j'ai plus de viseur? Qu'est-ce qu'il fait, Montagne? Oh là, bah Montagne va mourir. Hein. Le pauvre, il a pris un gueule. C4, séparez-vous. Comment il a survécu? Mais pourquoi j'ai pas de viseur, les gars? C'est une dinguerie. Toujours c'est pour moi, les enculades. Vous remarquerez que premier degré, c'est toujours pour moi. C'est horrible. Ça, c'est quoi? C'est nous qui avons fait ça ou c'est un défenseur? Pas sûr que ce soit nous. Putain, j'ai même pas de viseur qui zoome. Comment tu veux que je fasse? Oh là là, mais t'es mal. Vas-y, autant que je me rende utile. On va chercher une Valkyrie. De toute façon, je vais mourir, les gars. Je vais crever. Avec un lésion. C'est la survie sur le gâteau. Super. Super content. Non mais vous remarquerez, les dingueries c'est pour moi. Les dingueries elles sont pour ma gueule les mecs. Ça c'est pour moi ça. Mais le viseur je l'ai bien. Là il est bien équipé gros. Regarde là j'ai le truc bleu dessus, l'agrandissement A. Bordel de merde, pourquoi quand je spawn j'ai pas de viseur? Désastreux. Un bug sur R6? Ouais, ne vous en faites pas, écoutez les influenceurs. R6 ça fait son pic de viewers durant le Six Invitational. Tout va bien sur le jeu les gars. Ah attention suspense. Oh, c'est bon, il est là. J'ai pas compris pourquoi il avait disparu. Il a voulu prendre un petit peu des congés. Tout à l'heure, je suis mort comme un caca. Et j'y retourne en plus, c'est ça. Je dois aimer mourir comme une merde. Là, attends. Je prends l'info, je peux mettre un travers à quelqu'un peut-être en vrai. Hein, si jamais il est caché, non, il est pas. Il y a un mec dans le contact. Oh, ça aurait pu, les gars. Ça aurait pu. J'ai des chutes de FPS en bas à gauche. Je suis content. Je suis très très content. Oula, mais comment je bug là? Vas-y, viens me chercher. Je sais que t'en as envie. Je sais que t'en as envie. Attends, y'a un mec, il est sorti cuisine, non? Oulala. Non. J'ai vu repérer à l'extérieur. Quelle est cette sorcellerie? Y'a un mec, ouais, c'est Rook. C'est un gros lardon. Il a bien mangé à la cantine, Rook, les gars. Ok, y'a un frérot qui est mort dans le couloir de l'aquarium. Faut que je passe en bas escamain, moi. C'est parti. Avec A2 toute une vie. Encore mourir par un gus? Vas-y, enlève-le, ton gus, la chatte à ta mère, là. Casse les couilles, cet agent, frère. Casse les couilles, putain, il y a des trous de partout, faut que j'en repère un bandit en espérant mettre un travers. Vas-y, montre-toi, il est où ce fumier? Il va garder le diffuse. Il bouge pas ce trou de balle? Il est con lui. Ah mais j'ai pas le diffuse, les gars, c'est mort, j'ai perdu. On le perd à des endroits saugrenus, moi je me donnerai pas, c'est rien. Y en a marre hein, de perdre le diffuseur toujours à Babelwed, les mecs. C'est chiant. T'as dites-vous une chose, c'est que si jamais on remet encore cette défense, ça repart en 4-4. C'est ce que je vous dis, cette saison, on pourra pas faire ça tout le temps. Hein. À un moment donné, ça va forcément coincer. C'est obligé, les mecs, ça va coincer. Kavera a été pris pour cible par Demos. Bon courage à toi, frère. Wesh! Elle vient d'où la grenade, les gars, là? D'où elle vient, la greu? Y'a un mec, fenêtre, rappel, vas-y, faut que j'aille en bas. Au niveau du Sunrise. Pardon, et que je le défonce. S'il te plaît. Non, pas trop de bruit, Frost. Oh, bah, Lyon, super. J'espère qu'il est encore. Non, il a bougé! Ça va être super tendu, hein. Là, c'est. Je sais pas, c'est chaud un peu, les games. Chaud, chocolat. On peut espérer qu'il push et qu'il se prenne un Frost ou un lésion, c'est tout ce qu'on peut espérer, les gars. Je meurs! Non! Ça, c'est le faux espoir à chaque fois! Ah, la pêche avec. Ah, ils ont pêché à deux. Allez, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, je vous en conjure. Vas-y, Nils. Ça pose. Pourquoi j'ai une voix aiguë comme ça? On dirait Mickey. Oh, tour Mickey. Allez. Oui, là, tu es pas de gagner. Je suis le plus heureux. Oh merde, j'ai plus de batterie dans la caméra. Ça va couper, les gars. Bon, bah écoutez, les gars, on va finir comme ça, hein. Sans caméra à l'ancienne. Ah, ils sont remis cuisine, les gars. C'est parti. Putain, j'ai oublié d'enlever la cagoule. J'ai plus de caméra, mais le mec, il garde sa cagoule. Tu sais, il est amoureux. Oui, c'est moi. Il y a un mec dans le contact. C'est parti, on y va. Putain de ta grand-mère! Regarde ce qu'il met, il fait pas exprès, les gars! Le mec, il m'a pré-shot, il a même pas fait exprès! Regarde, c'est le recul qui a tué l'abonné encore, c'est le recul! Vas-y, on perd encore une game comme ça, ça casse les couilles! Pense à autre chose! Bah, malheureusement, c'est la vie, les mecs. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais c'est vrai que la route du champion cette saison, elle va être encore très compliquée. Malheureusement. On perd du 10 points. Aïe. Ah, les parties deviennent relativement plus dures, les mecs. Hein. Ça se joue vraiment à un petit poil d'anus. Allez, Villa, ça dégage. On tergiverse pas. Et avec la poisse qu'on a, on va se ramasser banque. C'est écrit, les gars. Ils vont enlever plein en face, vu que c'est des secs pas. Voilà, les secs pas, ils sont là. Et on va se ramasser. Bien évidemment, banque, je vous l'ai dit. Ce jeu est trop simple. Ah, les gens qui bannent plein, je pense qu'ils ont des déficiences mentales. Je me pose la question. Après ça va, on a la défense, on peut pas trop se plaindre, mais après tu peux te plaindre d'avoir Bank. L'autre fois j'ai fait un TikTok pour dire que Bank c'était de la merde. Il y a des mecs dans les commentaires, on aurait dit Bank c'était leur grand-mère, gros, ils étaient là à défendre. Non, Bank elle est trop bien, Bank, tu sais pas jouer. Il écrivait tu sais pas jouer, C'est apostrophe EST. J'ai pas cherché plus loin les gars.
Allez, Doc, on s'active, on fait les murs, on a 40 secondes. Réveillez-vous. Je vais me retourner, il va être encore là. Oh là là, c'est grave. Regarde, aucune trappe, je pose mes bandits, enfin, je fais ce que je peux. C'est... Franchement, les gars, c'est chiant, hein. C'est vraiment putain de chiant. Ça, c'est un bon... C'est... À tous les coups, c'est Nils. Ah là, je savais que c'était toi. Là, regarde, il y a une rota, elle est faite à droite, les gars. Mais pourquoi il y a une rota à droite? Faut la faire à gauche, là. Parce que si je passe là, regarde... Elle me fait tuer. Oh, je sais pas, des fois, hein. Les trappes sont faites par Ibana. Oh, ya, 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 ya. C'est le tonton zéro, et ça va pêcher. Je pense qu'on va perdre toutes nos games aujourd'hui, les gars. Oh là là, on est tous au même endroit. Les games sont très très durs, dommage. Faut que j'arrive à faire le bac. Vas-y, on y va. Dites-moi, vous avez pété la trappe. Ah non, putain. Là, j'arrive dans leur bac, les mecs, hein. Tenez bon site. Tiens, bon, tiens, bon, tiens, bon, mon frère. Oui, illicite. Info sur illicite. Je vous dis qu'il est site, les gars. Je vous l'avais dit. J'ai pas le kill, what? Oh, le bâtard. Écoutez le bruit de l'arme, on dirait des petits proutes, ça fait... Ça, c'est vous, après avoir mangé du cassoulet, les gars. C'est ouvert. Commence à reprendre ton bouclier, Clash. À défaut de te prendre une tête perdue. T'as pris un gu. Contact à gauche, je crois. Oh, 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 je me barre. Parce que je crois qu'il y a des copains, là. Ouais, ouais, effectivement. Ils sont partout, là, gros. Hein. Oh, c'est chaud. H, elle est morte. Aide d'élimination. Ah. Désolé, Capcan. C'est pour moi. Allez, tiens bon le sang, tiens bon, tiens bon. Ah, ça pose, c'est sûr, mon gars. Putain. Allez, frérot, l'autre, il était... Putain, mais va pas sur ma ligne. Il était au bac, au bac, au bac. Ah ouais, clé mort. Ah ouais, putain. Pff, j'ai plus de son, en plus, gros. Sa mère. Je sais pas où elle est, hein, j'ai pas l'info. J'ai pas du tout l'info sur elle. Non. On dirait pas qu'elle est plus sombre, la carte, les gars, ou c'est moi que le fou, là. Je veux bien être fou, hein. Mais j'ai l'impression que la carte, elle est plus sombre, Bank. Ils ont touché un truc dessus? Je sais pas. Je vous pose la question. Alors, notre petit push derrière, j'espère qu'il va marcher. Je prends H à exprès. Si jamais ils mettent un petit castle, au moins, tu vois, ça me permet de bien sauter et de les détruire. Parce que je crois qu'ils ont pris un castle, j'ai entendu. Bon, effectivement, c'est bien lui. Mais du coup, est-ce que si je saute, je peux avoir un free kill? Telle est la question. En tout cas, ça m'a l'air... Oh oui, lui, faut l'avoir, go, on y va. C'est parti, les mecs, on se pose pas de questions. Et on le tue. Ah, bien joué. Sale grosse face. En vrai, je vais vous dire un truc. Ibana, les gars. C'était mon main à l'époque. Je vous parle de ça, c'était le DLC. Alors, comment il s'appelait? Opération, les gars. Retro. Autant vous dire que Ibana, je la mainais. Ça se dit mainais. Mais c'était mon main, en vrai. Alors, la trappe. C'est parti. Allons la faire. J'ai fait un droning approximatif. J'aurais pu crever tellement 15 fois par le vigile. On est 3, les gars. Le carnage. J'ai peur. Allez, nomade, c'est cool. Le fuse, allez bien, mon gars. Je me permets de faire cette trappe. Vas-y, vas-y. Toi, t'as mis ton fuse là-bas, c'est bon. Donc là, les trappes sont pétées. Et on va droner un petit coup. La Mira va nous faire terriblement caguer. Ça, faut péter le Mira, les gars. Go, go, go. Super, bien joué, mon fuse. Ça, c'est cassé. Montagne qui met ses fumis, c'est super, gros. Vas-y, on va balancer tout le stuff qu'on a. Go, go, c'est parti. Vas-y, vas-y, va planter, mon frère. Merde, j'ai mis une flash sur moi, pardon. Je me suis dit pardon à moi-même, les gars. Je suis vraiment qu'une merde. Sur montagne, le last. Oh putain de merde. Vas-y, mets-lui un coup de shield. Coup de shield, coup de shield, coup de shield. Vas-y, vas-y, tu peux lui mettre un coup de shield, mon frère. Vas-y, 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 vas-y. Allez, 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 va le flasher. Cours-lui dessus, tu peux lui mettre un coup de 4. Vas-y. Mais pourquoi tu lui mets pas un coup de shield, gros? Je comprends pas. Mais non, mais là c'est catastrophique, les gars. Mais lui. Oh non, mais là, moi je vais abandonner, je crois. Ah bon, c'est bon, c'est perdu. Oh non. Ouais, je comprends pas. Catastrophique. On a réussi à perdre ça. On a réussi l'impossible. Comme quoi, dans la performance, les gars, on est... Dans la performance, les gars, on est pas dégueulasse, hein. Il va falloir qu'on aille mettre un petit coup de fuse. Allez, le drone qui est bloqué. Non, c'est bon. Un petit coup de fuse là-dedans pour dératiser un petit peu tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix, les gars. Là, franchement, la game, elle est horrible, hein. De toute façon, Bank, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue dessus, toujours, c'est minable. Je vous l'avais dit, les mecs. C'est pas pour rien que premier degré, c'est la pire carte du jeu. J'ai tellement peur du vigile, si vous saviez, les mecs. Vas-y, viens, montagne, on y va tous les deux. Là, je fais juste la trappe avant, petit point d'insertion. Là, ce fuse, on le préplace ici. Et là, du coup, on va aller là, à cet emplacement, pour mettre un vieux fuse là. Et regardez bien, celui-là, il va être super important. Parce qu'il y a le lion qui est parti. Là, on casse la trappe, ça fait deux fuses qui sont partis partout. Donc là, au niveau de la pression, on leur a fait super, super mal. Ok, vigile, qui se fait chasser par montagne encore. Là, ça va être chaud la game, malheureusement. Vas-y, j'y vais comme un singe. En mode bonhomme. J'en ai mis un à terre. Deux à terre. Allez, deux à terre. Et un sous une table. Ta mère la fils de p. Regarde ce qu'il fait, ce fils de p. J'en mets deux à terre et ils vont tous se réanimer avec le rook. Ça me pète les couilles. Atroce.
Ah ouais, 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 forcément, ils sont tous sous une sous les tables. Sous la table, gros, tu l'as vu, tu l'as vu. Non, mais plante pas, tu l'as vu. Tu l'avais vu. Quel gâchis. Oh, j'ai jamais vu des games aussi nuls à chier. Ah, oh, y'a moyen que cette saison, le champion, il soit pas là, les gars. Et premier degré que c'est vrai. C'est infâme, les games. Infâme. Oh, pitié, Clubhouse. Je vous en conjure, on peut pas faire deux fois de suite les deux cartes que j'aime le moins de R6. En face, ne soyez pas des secs, papa. Consula, pas consula. Oui, c'est pas des secs, pas. Allez, consula, 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 consula. Mais pourquoi j'ai encore pas de viseur sur mon arme? Wesh! Putain de merde! La fête des trous là, les gars. Super important. J'espère que le grenier il est renforcé derrière, les gars. J'espère vraiment. Je l'espère de tout cœur. Eh non, je le renforce pas, c'est bon. Je vais pas faire non plus 45 000 murs, hein, c'est bon. La session aujourd'hui, elle est catastrophique. Putain de merde! Je sais pas ce qui s'est passé entre cette session et la dernière. Là aujourd'hui, c'est atroce la poutrelle. J'aimerais bien aussi avoir des viseurs. Ce serait franchement cool. Juste un seul, tu vois, pas deux, pas trois, un seul. Parce que je présume qu'en face, ils les ont leurs viseurs. Après, en vrai, il est joli, celui de Lésion. J'avais jamais vu comme ça. On découvre des choses sur R6. On est content. Oh putain, l'open kill, c'est quoi? C'est un blitz? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Non, c'est IQ, elle est derrière moi. Je suis derrière le mur. C'est l'heure du replay. Claqué au sol. Je suis derrière le mur, les gars. Je suis derrière le putain de mur. Bah, il y a moyen que ce soit officiellement l'une des pires sessions, les mecs. Fallait bien qu'il y en ait une. C'est tombé sur celle-là. Ah, que les open kills, on se prend, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Après, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, mais faut juste pas que ça se répète 46 000 fois, quoi. Les games sont vraiment pourris de chez pourris. Aïe, 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 putain. Et l'autre, il me chasse avec un drone Twitch, gros, quand même, hein. Mais putain! La tête de ma mère, les gars. Je viens de mourir deux fois. J'aurais jamais dû mourir. Mais à part ça, tout va bien sur R6. Il a fait son pic de viewers, les mecs. De quoi est-ce que vous vous plaignez? C'est rare hein, que je rage vraiment comme ça. Mais dans le feu d'action, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment des games où t'as l'impression que tu peux rien faire. Le jeu t'encule. T'es derrière un mur, t'es comme ça, et tu meurs. Tout est logique, les mecs. Attendez, de quoi on se plaint? Vas-y, je vais garder le Mira au pire. Et comme par hasard, tu remarqueras, il y a un truc blanc. Regarde sur le Mira. Oh merde! J'ai complètement zappé que ça pétait le Mira. J'ai le temps de le reprendre. Ouais. Je suis encore derrière le mur, gros. Je te promets, à la tête de ma mère, je suis encore derrière ce putain de mur. Ça me terrifie, je meurs quand je suis derrière la surface non cassable. Il y a absolument rien qui va, les mecs. C'est horrible. Attention, clash. Ah, je suis désolé, gros. Désolé, mon frère. Ah, je voulais pas tuer mon frérot, mais j'étais obligé, en vrai. Mais en plus, l'abonné, il m'a enlevé le tirallié, hein, les gars. Regardez, là, vous voyez, sur mon profil Spider-Man, j'ai pas le cône. Et vous voyez en haut à droite que je l'ai. Le système du bi, il est vraiment codé avec l'anus. Et malheureusement, ça, dans mon truc de réputation, bah, c'est pas bien, quoi, tu vois. Et un jour, je peux être en négatif, tu sais, passer en indigne, et quand t'es en indigne, après, bah, t'as la pénalité, ou t'es banni de la classer. C'est franchement sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je trouve ça très, très cool. Alors, attention, il y a une alarme de proximité, il y a un mute. On va faire récolter. Chez une greu. C'est parti, on y va. Je sais pourquoi il y a deux mecs collés comme ça. Mais c'est quoi ces bots humains? Je vous jure, c'est des putains de nuls. Ah, vas-y, 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 la greu. Le finca, c'est bien, wesh. On repasse ce grenier, c'est parti. On tire pour faire un peu de bruit. Ok, au bac. Et on le tire dans la bitch, les gars. La plupart des morts que je me ramasse sur ce putain de jeu, c'est quand j'ai passé un obstacle, en fait. Admettons, regarde, je suis en duel, je fais ta-ta-ta-ta, et là, je me décale à ce moment-là, et je meurs ici. 70% de mes morts, j'ai juré, c'est ça. Alors, des fois, je perds des duels normaux, oui. Mais, je vous jure que la plupart du temps, c'est des putains de kills de merde, où je suis censé ne pas mourir. Et sur la tête de tonton Walid, ce n'est pas normal, les gars. Vas-y les frérots, je vous drone au niveau du blanc, vous ferez gaffe. Vous avez une Thunder. Thunderbird. On lui met un petit ping rouge. La Thunder. Oula. On peut essayer de la réceptionner. Mais non, parce qu'il y a bandit à la place. C4. Vas-y, fais péter. Super mon frère. Je vais essayer de péter le Mira. Je sais pas si les grenades pètent le Mira, les gars. Non, j'en ai pas l'impression, hein. Vas-y, c'est risqué. Oh ah gros, non, c'était pas le moment. Je suis encore derrière le mur, les gars! Je suis passé! Y'en a marre, laisse-moi tranquille. Ah, vas-y, les gars, y'a encore 3-3, c'est les games, mais elles sont tout le temps serrées, hein. C'est pire qu'une chatte. Il est trop beau, Buck. Il est tout rose, les gars, il est magnifique. Même j'aurais dit magnifique. Je présume qu'il va y avoir de la Mira, encore une fois. Ouais, ouais, cette fois, elle a changé pour le coup de côté. Y'a un C4 préplacé. Oh lolo. Je pense qu'il faut faire attention aussi au bac, les mecs. Contact, vous en avez deux. Un sur montagne.
Ok, on en a eu un, c'est super bien. Ouais, je l'ai, frère. Mira, Mira, il y a un ping au niveau du pilier. Ouais, effectivement, elle est bien là. Ou c'est peut-être pas Mira. Non, c'est Melusi. On va la traquer, les gars. On va la traquer. On va jouer avec ses couilles. Enfin, avec ses ovaires plutôt. Vas-y, gogo, c'est parti. On lui fait peur, on lui fait peur. Ça, elle s'en bat les couilles. Elle reste viseur fixe. Et l'autre, il est dans le contact. C'est Tokyo. On dirait Tokyo de Casse de Papel, frère. C'est parti, go, 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 déflasher. Go. Bien joué les frères, allez, un qui plante, c'est parti, le Thunder qui carry, let's go. Attention qu'on se l'apprenne pas, il est pas dégueulasse, hein. Enfin, il est en 12 kills le poteau. Au niveau des drones, on a que dalle, ça vous aidera pas les gars, c'est à vous de jouer. C'est vous qui devez faire le taf. Sur montagne, attention, elle sait que t'es là Buck, elle sait que t'es là. Attention, attention les gars, qu'on se chie pas dessus. Attention que te pique, bien joué le coup de pain. Énorme. C'est encore une manche décisive de merde les gars, 4-4, on fait que ça et on perd à chaque fois. Là, là franchement la session, je comprends pas, on n'y arrive pas. C'est même pas une catastrophe, c'est une cacastrophe. Vas-y c'est parti, on va taper un poche, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix les mecs. Ils ont préplacé un C4, ils ont fait le truc de geek, il y a un mec dans le grenier. Mais franchement là ouais c'est terrible, on n'a pas de chance. On a vraiment pas de chance dans la façon de jouer, on tombe sur les puants. On tombe sur les mecs dont personne ne voulait d'eux en fait à la naissance. Leur maman malheureusement elle a accouché mais elle aurait préféré avoir un autre enfant. Et ça se comprend totalement. Super le drone de Ram, super mon frérot. Allez maintenant c'est à vous de mettre la pression. Ça a pété et ça va être pour vous. J'ai encore un drone normalement, il est un peu bas. En bas là. Super bien, ouais, le 5v4 pardon. Attends, je bégaye, j'ai du mal. Ok, j'ai plus de drone malheureusement. Tous ces sacrifices n'ont servi à rien. Oh, qui met un frost là? Qui met un frost là frère? Allez, allez. L'autre il a le pendant type champion, il met une carte d'émeraude. Mais c'est un trou du cul de sa mère lui. Oh, j'en ai marre des games, ça m'a saoulé. Bien joué mon loup noir, je me ramasse le frost les gars, un frost, je suis mort par un putain de frost. Bien joué gros, il est chaud, mon frérot c'est à toi de nous sauver. Ah il pourra rien faire, tu veux qu'il fasse quoi, dommage gros. Et on perd encore une nouvelle fois les gars, en 5-4. C'est terminé. On a gagné combien de games aujourd'hui? Une seule? Putain c'est vraiment la déchéance, je sais pas si on sera champion cette saison les gars, vraiment. Allez c'est l'heure de la rédemption les gars, il y a le jeu Red Dead Redemption, et là c'est R6 Redemption. On a des bonnes cartes, on a Plaine qui est cool, Café qui est bien, Villa qui est nul, Club qui est archi nul, et Consula qui est gotesque. N'enlevez pas Plaine en face s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes sec pas? Pourquoi? Quoi coubé, Café c'est très bien, j'aurais préféré Tisane. Quand tout va mal, les mecs, faut faire appel au Seigneur, le Seigneur Shanka. Tema, ce regard, on dirait qu'il veut te niquer de ta mère. Alors certes, un opérateur, il a l'air amical, mais il a vraiment envie de te soulever tes grands morts. Regarde Tema, ce regard noir. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi sur son icône de carte d'élite, il y a un cornichon, les gars. Premier degré, j'ai jamais compris qu'est-ce que ce petit cornichon signifiait. Et il y a aussi un truc, les gars, faut qu'on ouvre un débat ensemble. Bon, les filles, cette question ne vous est pas adressée, malheureusement. Enfin, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Les frérots, vous avez un pénis de sang ou est-ce que vous avez un pénis de chair? Enfin, surtout ceux qui se posent la question, quelle est la différence? Le pénis de chair, en gros, c'est votre tub, elle est toujours à la même grosseur, quoi. Que vous soyez excité ou non. Et un pénis de sang, c'est en gros, bah, de base, vous avez une petite bite. Mais quand vous êtes excité, bah, votre petite bite grandit. Moi, perso, je suis fier de vous annoncer que je suis team pénis de sang. Et ouais, le sang. Comme Jules, les gars. Vous comprenez, les filles, pourquoi je vous pose pas la question? Est-ce que vous êtes nibar de sang ou nibar de chair? Et une autre question existentielle que je me pose, parce que oui, je me pose beaucoup de questions dans ce funeste monde. Les cornichons. Où est-ce qu'ils poussent, les cornichons? Putain, il y a Blitz, les gars. Il est à terre ou pas, là? Apparemment non. Nexapi, Nexapi le moque. Moi, mon bouclier à moi, c'est vraiment du caca boudin. Mais alors lui, j'ai l'impression que c'est un os, son shield. Oh, j'ai été pris en chasse. Par tonton. Oh là, Nick. Ah, je l'ai mis à terre. Oh, je suis mort par Demos. Non. Il m'a eu. Non. Crucifié. Crucifié. Eh bah écoutez les gars, oh j'avais mis un mec à terre, c'est la première fois que je meurs par Demos. Fallait bien que ça arrive un jour les gars. Là vous savez que je suis très triste hein. Premier degré, là on fait que perdre et tout depuis tout à l'heure, je suis dégoûté d'accord. Mais je suis vraiment encore plus dégoûté d'être mort par Demos. Il m'a tué en plus sur la dernière balle. Et là vous allez me dire, oh mais t'aurais pu couper au montage et tout. Oui j'aurais pu, c'est vrai, mais est-ce que je l'ai fait? Non. Je suis quelqu'un d'intègre, mais je suis vraiment abattu. Je suis dégoûté en plus, c'est à cause de Blitz les gars. Si jamais je l'avais tué, j'aurais été concentré sur Demos. Eh oui. Attends, je vais monter un peu ma sensi, je vais mettre 45. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Alarme de proximité, ça c'est encore ce putain de pisse qui push lui, il le joue bien lui. Non, il y avait des pieds. Oh! Narden bébec! Ah, cette fois c'est pour moi le Demos. Le truc c'est qu'il va donner le call à ses potes que je suis là. Ah, mais je l'avais mis à terre! What the fuck? Les games elles veulent plus rien dire, j'ai l'impression les gars. Valky elle tient bon ou pas là? Faut que je revienne site, absolument. Tiens bon, Valky.
Ah, je suis trop nul, je perds des duels, je suis nul, gros. Vas-y, je vous ai même pas mis la suite des games là, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique, on fait que perdre. Honnêtement, je vois pas ce qu'il faut faire de plus. On est trop nul. Aujourd'hui, on est vraiment trop nul. Putain, moins 10 points, on va quasiment redescendre à Brode 2, les gars, c'est incroyable. Je crois vraiment qu'on a gagné qu'une game, les gars. Vraiment, premier degré, qu'une seule. C'est terrible. Alors là, on commence en attaque, donc je pense qu'il faut se ban soit Park ou alors Labo. Labo, ça me semble être un bon choix. En espérant qu'en face, ils enlèvent, Park, du coup. Non, ils ont eu la même idée que nous, malheureusement. Ça va être littoral. En vrai, c'est la meilleure, je trouve, parmi le choix qu'on a eu. Vous savez, en vrai, je pourrais vous mettre que les games où on gagnait tous les gars. Mais en vrai, la route du champion, c'est les échecs et les victoires. Hein. Mais là, je vous avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. Est-ce que je repasserai pas avec une hache, avec un viseur holographique? Ça peut être la clé, les gars. Pêcher sale, parce que quand tu mets la cog, t'es un peu condamné à jouer à la longue distance, alors que l'holographique, tu pushes comme un singe. On va voir comment ça se passe. Tout dépend de la compo qu'ils vont prendre, mais par contre, là, on est à 10 PR de perdre le... Bah, l'émeraude 1, les gars. Je crois qu'en termes de session, c'est l'une des plus pourries qu'on ait faites. Ils ont pris du Goyou, du Lésion, du Wamai. Ouais, ça peut être sympa de taper un push avec H au niveau, là, de l'aquarium. On va voir comment ça se présente. Le petit m'observait, là. Tiens, ton drone, il est mort. Allez, c'est parti, les gars. On va faire ce qu'on peut faire. Je vous garantis rien, là c'est vrai que la confiance elle est au plus bas. C'est comme après un rapport sexuel. Oh, j'ai failli me faire spawn kill, putain. Ton zizi est au plus bas, il a fait son travail. Et voilà, je peux vous dire que la confiance, elle est vraiment très très basse. Ouais, faut vraiment que je reprenne la confiance. Donc au niveau du couloir, personne pour me faire chier. En vrai, les gars, si je drop comme un singe, vous savez ici là, regarde, je me mets là. Tranquille, on prépare le saut. Il y a le lion, vas-y, tu sais quoi, j'y vais, c'est parti gros. Non mais c'est grave, hein. Le nombre de balles, j'ai une R4C, je sais pas ce que j'ai dans les mains. Voilà, ça c'est ça que je veux. Ça on pète. Voilà, super, bien joué frérot. La rédemption les gars, faut qu'on aille la récupérer. Hein. Faut qu'on active le mode Dark Vador, y a vraiment pas le choix. Mais en soi, d'avoir mis une attaque c'est déjà cool, c'est déjà super bien. T'en mets une deuxième, c'est encore mieux. T'en mets une troisième, c'est le top. Et après bim, t'enchaînes sur un 4-0. Et c'est comme ça que tu reprends la confiance mon frérot. Ok, en vrai, faut que je prenne mes opérateurs tryhard, hein. Bug, ah, je vois pas pourquoi je prends des fois autre chose. Le VIP, il est pas tenu. Je n'ai pas l'impression. Oh putain. Ouais, j'en ai pris de moins deux là. Non, les gars, non. Malheureusement, ce genre de choses, ça nous porte tellement préjudice. Il y a un mec qui est toujours là, c'est le Kassel, il y a son Dokkaebi qui sonne. Bien joué, Samy. Allez, mon frère, Samy. T'as pris ta petite Dokkaebi, tu vas nous faire du sexe. Au niveau des Skamen, il y en a un, c'est que Mélusie. Il y en a deux avec le Lésion. On y va, c'est parti. Il y en a un en bas qu'il faut aller chercher bien. Qu'est-ce qu'il nous fait le poteau? C'est quoi ça? C'est Grim qui l'a repéré? Putain de Lésion. On est marre. Mais c'est quoi ce truc? Ça dure longtemps son Grim, c'est à l'infini. T'es moi, depuis tout à l'heure il est repéré. On dirait que j'ai un Wallach, les gars. Bien joué, il l'a eu. Ok, super. Je crois qu'il y a un gars là. Hein. Absolument pas sûr, les gars, j'entends un bruit. Bien joué. Oh, le Grim, il est chaud, hein. Je l'ai vu. Faut que j'arrive à lui timer une bonne flash. Viens Grim. Viens. C'est parti, go, c'est le moment. Pas chaque mois. On est ensemble. Meurs pas Grim, t'as le diffuse. Elle est sur moi. Viens Grim. C'est bien, 2-0 les gars, le plan se passe assez bien. La rédemption elle est en cours. Comme par hasard, on ressort Buck et ça va beaucoup mieux. Petit one tap. On va faire doucement. Attends mon petit Montagne, tu vas te prendre un Mélusie quand tu vas rentrer. Fais doucement parce que ça va t'enlever ton bouclier. Y'a pas de Mélusie, c'est parfait ça, c'est parfait mon frère. En vrai, pose, Montagne, pose, te pose pas de questions, là. T'as les fumis, pose. Là, ce qu'on fait, ça sert à rien si tu poses pas. Putain, j'ai balancé tout mon staff exprès pour que tu poses, gros, j'avais ta cover avec les flashs et tout. Maintenant, mon chef, c'est mort, on a été trop lent, on a mis 15 ans. Vas-y, au top. Là, je vais réanimer le poteau. Ah, le truc, les gars, c'est que, vas-y, là, je peux pas être de partout à la fois, les mecs, hein. Non. Oh, putain, les gars, c'est chaud, hein, là. Hein. Je crois que l'autre, il est encore au top, en plus, c'est ça, le pire. Va poser, Montagne, frère. Oh ouais, très bien, on est en 9-0, je vous l'ai dit, notre rédemption, on va l'avoir. Là, on fait trop de la merde depuis tout à l'heure, les gars, faut se réveiller, faut se sortir les doigts du cul. Mais c'est dur, hein. Franchement, les games sont relativement durs. Moi, quand je sors mut, premier degré, c'est vraiment pour tryhard, les gars, je suis trop nul avec lui, hein. Je le sais, hein, mais la compétence, elle est beaucoup trop forte. Tu sais quoi, je reste là, je suis intuable, hein. Y a un mec qui vient, je lui mets un coup de shotgun, gros. Tais-moi. Mais vous allez voir, moi, le shotgun, il est pourri quand c'est moi qui le joue, mais quand je me prends des balles, t'inquiète pas qu'il me one-shot à 15 mètres. Oh, je l'ai même pas eu. Il m'a volé le kill, le fumier. Oh, ce qui s'est pris. Let's go, allez. Attention, les gars, qu'on se prenne pas une remontada. Mettez-moi des pings, hein, si vous avez l'info pour le planteur. Je crois qu'il est là. Ah, merde. Dommage. Fais chier. Ah, c'est là où faut pas se relâcher. On est en défense, les gars. Normalement, c'est que des putains de free win. Ah, Demos. Maintenant qu'il m'a tué une fois, j'ai peur de lui.
Bien joué l'open kill mon gars. Il est dans le bac, il est rappel sur un toit le fils de PUTE. Allez les gars, faut qu'on win. Il m'a encore pris pour cible. Il s'est dit tiens lui c'est celui qui est en 10-1. Faut qu'on le tue absolument en fumier va. Bah. Il a raison. On va devoir couper sans play vrai. Y'a Buck qui push quelque part. J'ai peur de Buck, j'ai plus peur d'un Buck que d'un démo ça je vous le dis. Avec tout le respect. Non non non. On t'a dit non, fumier. Ah Demos il m'a mis les 3 les gars. Les 3 pour ma gueule. Y'a Buck qui arrive. Avec Demos sur moi. Les deux sont sur moi. Wow. Knock morte. Let's go. Ça va être sur Clash. Faut qu'on aille des Clash mon gars. Il y en a un aquarium et un couloir. Clash essaie de temporiser. Super. Super. Le last il est sur Clash. C'est bon on a gagné. Super bien joué les gars, masterclass. On vient de faire une game de folie, on a fait du 13-1, 13-2 ratio, masterclass. Pourquoi je suis pas premier? Regarde, c'est moi qui est premier, pourquoi c'est Clash? Pourquoi? Je pue ou quoi les mecs? Pourquoi je suis pas premier? En tout cas, bien joué les mecs, ils ont été vaillants. 13-1, c'est notre deuxième meilleure game de la vidéo. Mais vous avez vu, malheureusement, si on carry pas, les gars, on gagne pas. Hein. Admettons, si je suis pas à mon prime, mais elle est loose, c'est ça qui est un petit peu embêtant. En tout cas, on reprend du 34 PR. C'est parti. Allez, c'est reparti, je vous l'ai dit, hein, c'est la rédemption. Maintenant, on va enchaîner que les wins. Que les wins, que les wins, on veut que ça, que gagner. Putain, il y a repère. Non, bannissez pas repère, les gars, ils vont l'enlever. Enfin, c'est obligé qu'ils enlèvent repère. Faites-moi vraiment confiance. Promis, ils enlèvent repère. C'était obligé. Allez, frontière maintenant. Frontière, let's go. Allez, les gars, c'est la rédemption. Goyo nous a fait du bien les mecs, hein. Franchement Goyo, bon petit topé, je vous le conseille beaucoup. En fait faut partir du principe qu'il faut faire 40 kills pour gagner les gars, c'est tout. Et bah vous savez quoi, j'accepte cette mission les gars, avec grand plaisir. Mais partez du principe que je pourrais pas faire ça à toutes les games. Je ne suis qu'un humain qui a été droné. Et qui s'est fait enculer. Hop, on va essayer de capturer un ace. Là je me suis fait vraiment baisser bêtement les mecs. Hein. Je pensais pas que le bug viendrait me push comme ça, mais j'avais été droné, donc ils ont joué à deux, ils ont très bien joué, intelligemment. C'est ça le vrai Rainbow Six, un qui drone, l'autre qui push. En saison, année 1, on jouait tous comme ça. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu depuis. Bien joué mon petit Mowgli. Cette fois j'ai eu le bug les gars. Tellement dommage. Non, j'ai loupé ça, je suis nul. J'ai loupé l'immanquable, oh. Je suis encore derrière le mur, c'est ça que je comprends pas. Moi je suis derrière le mur, je prends des balles gros, je comprends pas. Sauf si mon gros corps, je sais pas, il l'empêche. Oh il est de l'autre côté. Ok ok, je sais où il est. Il est rentré gros hein. Wesh. Mais quoi, meurs pas. Ah, on perd 3-0 les gars, on est en train de retomber dans nos travers, c'est dommage. On aurait dû se servir de la game d'avant. T'as, il a mis des capcans à la petite fenêtre. Se servir de la game d'avant pour emmagasiner de la confiance, mais c'est pas le cas. Là, justement, on replonge dans nos putains de travers de merde. Il y a les travers de porc et les travers de merde, les mecs. Pas de putain de C4. Ok, c'est bon. Personne aussi là. Vas-y, montagne, gros. Enfin, faut que j'aille taper mon poche par le bas. J'ai pas trop le choix, les gars. J'ai pas du tout le choix, même, carrément. La trappe, elle est open, les mecs. Hein. Faites attention. Je sens qu'on va se faire ridiculiser cette attaque. Je le sens gros comme une maison. Lâche-toi, open, là, c'est parti. Là, je prends un travers. C'est une singerie, les gars. C'est j'en ai marre. Les games, elles sont en train de me rendre ouf. Il y a un mec à terre, on s'en fout de celui-là. On s'en bat les couilles. Il y a le tonton Warden dans le casier qui a rechargé. Warden mort. Lui, faut quand même le finir. Ça sera fait. J'ai plus de balles. Je suis mort. Apparemment, non. Allez, plantez, les gars. Si vous pouvez, bien sûr. Montagny pose. Masterclass, mon frère. Super. Il va revenir Fontaine, je pense. Fontaine, c'est sûr qu'il revient. Je le sens. C'est un pressentiment. Ah non, pas du tout. Bien joué, gros. On peut la faire, la remontada. C'est pas impossible. Juste 2 points, les gars. Et après, on rentre dans leur tête. Une fois que tu l'as fait, la remontada, en face, ils sont en train de se dire putain, merde. C'est à ce moment-là que tu rentres dans leur tête. La trappe, elle est pas pétée cette fois. Super, on recharge le pompe. Allez, vas-y, mon petit buck. Les abonnés vont aller faire le T1. On redrone tranquille. Ça, on pourra le casser avec le Gone 6. On sait qu'il y en a 3 au jeu. 3, 4. C'est pas grave, on n'a pas tué Mira. Mais on pète la vitrine. Super. Super, il a pris des balles. Il commence à me faire chier, lui, avec ses putains de travers. Hein. Franchement, tente pas trop, mon frère. J'arrive en soutien. Super, tes ping jaunes. C'est super. Voilà, magnifique Montagne, t'as fait ton taf. Super. Je fais le bac, si je peux bien jouer. Allez, 4v3 les gars. Le bouclier, c'est parti. On y va. On va droner un petit coup. Faites le taf ensemble, les mecs, avancez, jouez tous les trois. Moi, je suis en mode loup solitaire. Je vais essayer de vous droner un petit peu. Bien joué, 4v2, super tonton Warden. Il est sur site. On va lui faire bouger pendant enfin, c'est la samba. Non, il est plus là. Masterclass, les gars, planté sur le site. L'autre, il est sur les vestiaires, là. Enfin, le casier, pardon. Allez, nickel. Notre Montagne, les gars, il fait un super gros taf. On arrive à faire de belles petites attaques parce qu'en gros, il met une pression, tu vois. Sans lui, les gars, il n'y a pas de pression. Les kills qu'on fait, c'est parce que il est en train d'occuper, entre guillemets, l'adversaire, tu vois. Donc nous, ça nous permet de bien progresser. Tranquillement, ça sort.
Ah, fallait pas perdre le frérot. Ah là, on a perdu montagne, malheureusement. Non. Oui, allez. Ah, ça va être chaud, ça va être tendu du slibar. On est tombé un chouïa vite là, les mecs, hein. C'est ça le problème là. On est tous tombés, trois d'un coup. Moi, je veux bien, tu sais, il y en a, ils vont dire ouais, mais t'es champion, tu fais 45 kills. Les gars, c'est pas parce que t'es champion que ça te donne des pouvoirs magiques, hein. Loin de là. Il y a la Thorn, elle a mis son shield, la connasse là. Commence à me faire chier à vouloir mettre des travers, hein. Ah, c'est moi qui te le mets le travers. Normalement, elle est flashée, les gars. On part du principe que oui ou pas? C'est quoi dans le doute? S'il te plaît, sois-le. Oui, allez. Ils vont tous être sur site, hein, les deux, hein, mon gars. Vas-y, tu mets une bonne pression. J'ai plus de drone, moi, j'ai plus rien. J'ai plus de flash, c'est tendu, H. Faut qu'elle fasse... Faut qu'elle fasse un truc, je peux rien, je pouvais rien faire. Il y avait les Aroni, il avait la ligne sur moi, j'ai fait -1, -3 les gars, malheureusement, je pouvais rien faire de plus. T'avais juste à passer de l'autre côté, mon frère, au lieu de passer au même endroit que moi, où on est coincés tous les deux. Très dommage, très dommage. Ah putain, et mon jeu qui freeze, est-ce que c'est pas un signe, les gars, pour arrêter de... pour arrêter de jouer. Je pense, en vrai, je sais même pas si on va gagner des points ou en perdre. Ah si, c'est bon, ça s'est remis. Bon, bah écoutez, je sais pas si on continue. Je sais pas du tout, les mecs. En vrai de vrai, c'est peut-être le moment d'arrêter. Vu qu'on fait que lose, on peut pas faire pire que ce qu'on fait là, les gars. Honnêtement, on est à 34 PR. Moi, je vous dis à très bientôt. Et back pour une prochaine vidéo. Ciao.